Hey, salut à toutes et à tous les gars, c'est Bravax, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les gars, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur OBS. Donc, comment rajouter son compteur d'abonnés sur OBS, sa manette aussi sans caméra, et son clavier et sa souris sans caméra. Donc, tout d'abord, pour la manette, soit vous avez un PC Bluetooth, moi non, je n'ai pas de PC Bluetooth. Donc voilà, on adore. Du coup, moi je suis obligée de brancher ma manette. Du coup, voilà. Donc, on va directement commencer par le compteur d'abonnés. Donc, voilà. Donc, vous allez sur Google, vous allez taper. Enfin, pardon, vous allez aller sur le premier lien en description. Toc. Voilà. Donc, vous allez aller du coup sur le premier lien en description. Vous allez aller sur. Ici, là, 3 toits, you, voilà. Après, vous allez marquer votre nom de chaîne, bien sûr. Toc. Ensuite, vous allez copier le lien en haut. Du coup, moi je l'avais déjà copié. Voilà, du coup, vous faites ça, vous faites CTRL C. Ensuite, on va aller. Vous pouvez fermer la page. Hein. Vous pouvez aller ici. Vous allez faire plus. Navigateur. CTRL V. Ok. Non, vous ne faites pas CTRL V. Vous faites. Attendez. Vous faites pas ça, d'accord. Vous faites pas du tout CTRL V. Vous faites plus. Navigateur. Vous faites OK. Et à la place du URL OBS Project. Voilà, vous faites. Vous supprimez, vous faites CTRL V, voilà, vous faites OK, et c'est bon, vous avez votre compteur d'abonnés, déjà, voilà, sauf que nous, on veut rien autour, vous voyez, on veut pas ça, donc du coup, on va cliquer sur navigateur, on va faire filtre, plus, Rony encadré, OK, donc, à gauche, ce sera 280, à droite, ce sera 280. En bas, ce sera 260. Et en haut, ce sera 260. 200. Voilà. Donc maintenant, vous avez votre compteur d'abonnés. Donc, vous pouvez le mettre petit ou grand. Moi, je vais le mettre comme ça, ici. Ensuite, vous allez aller sur Google, encore une fois. Attendez, pardon, je vais juste regarder si ça filme encore, désolé. Non, parce qu'en fait, là, le rec s'est arrêté trois fois, donc du coup, voilà. Donc après, vous allez aller faire game. Enfin, pardon, deuxième lien en description. Cliquez dessus. Ensuite, il faudra brancher votre manette. Vous allez cliquer sur None, Player One. Ensuite, si vous avez une manette d'Xbox, bah, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez mettre en noir ou en blanc. Donc moi, j'ai une manette de PlayStation 4. Et même si vous avez une manette de Xbox noire ou PS4 noire, vous pouvez la mettre quand même en blanc. Donc voilà, regardez, voilà, moi j'ai une noire et bah, je peux la mettre en blanc. Du coup, voilà. Après, vous allez faire trois petits traits. Generate URL. URL, pardon. Ensuite, vous allez choisir ce que vous avez. Donc, par exemple, moi, je veux avoir Xbox One White. Ben, voilà. Mais non, moi, je veux avoir une PS4 One. White. Donc, blanche. Donc, après, vous allez copier le lien juste en haut. Plus. Hey, donc les gars, donc là on est à peu près 10 minutes après le tournage de la vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai rien expliqué pour la manette. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Juste attendez, faire ça. Donc normalement vous avez choisi tout. Donc OK. Donc moi du coup je vais supprimer. Toc, voilà. Donc là je vais tout vous montrer. Donc, pardon. Donc du coup, plus, vous allez faire navigateur, vous marquez ce que vous voulez, un truc pour savoir ce que c'est votre manette. Après, vous faites ça, vous faites CTRL V,
Vous faites OK. Et voilà, normalement, vous avez votre manette juste là. Moi, du coup, je vais la recadrer. Ah oui, et pour que ça arrête de faire disconnect, il faut juste oui, toucher la manette, donc faire ça, genre, ou ça, comme vous voulez, quoi. Donc, du coup, bah, je vous laisse avec la fin de la vidéo. C'était juste pour vous dire ça pour la manette. Donc, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Peace, c'était Mravax. Le clavier et la souris, juste faire ça. Voilà. Donc ensuite, du coup, pour le clavier, vous allez aller sur Google, vous allez cliquer sur le troisième lien, en description. Vous allez taper, moi je vais taper OBS No Board, voilà, ça. Donc ensuite, vous allez arriver là-dessus. Donc vous allez faire télécharger. Vous allez aller descendre tout en bas, vous allez faire No Board Rewrite. Oui, j'ai un très très bel accent en anglais. Donc on va faire ça. Après, on va le mettre sur le bureau. Vous pouvez fermer la page. Donc ensuite, vous faites double clic gauche. Vous faites No Board, extraire tout, extraire. C'est bon, du coup, là, c'est en train d'extraire. Ensuite, vous allez. Je vous ai pas montré. Normalement, au milieu de ça, vous avez No Board et vous faites ça. Ouvrir, extraire tout. Ensuite, vous faites No Board comme ça. Vous cliquez deux fois. Vous allez atterrir sur une page bleue. Ensuite, vous allez faire clic droit Load Keyboard. Ensuite, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, normal, c'est le français. Mais il est pas très très beau, vous voyez. Donc moi je vais pas trop prendre celui-là. Donc moi je vais prendre le JAO7. Donc du coup close. Après vous faites que ça. Faut laisser ouvert la page comme ça. Donc toc. Ensuite on va retourner du coup encore une fois sur OBS. Vous allez faire plus. Pardon, je crois que je vous ai pas montré. Oui, vous faites plus navigateur. Du coup vous faites ça, ok, après vous, enfin voilà, et après vous pouvez recadrer pour la manette. Désolé, je crois pas que je vous ai montré, je suis pas sûre, je sais pas. Et du coup bah là vous pouvez le mettre là où vous voulez, le No Board. Donc ensuite du coup je voulais faire quoi, navigateur 2, oui. Vous faites plus, vous faites quoi, capture de fenêtre, c'est ça, ok. Et là, vous cherchez No Board. Voilà, donc No Board. Ok. Du coup, maintenant, vous avez les trois. Sauf que maintenant, il y a du vert sur le clavier et la souris. Donc, du coup, vous faites capture de fenêtre, filtre, plus incrustation par couleur. Ok. Vous faites vert. Et là, similitude 1 moins 1000. Vous montez jusqu'à qui vous voyez plus de vert. Voilà, c'est bon. Et du coup, ce tuto est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous a surtout aidé. Après, vous pouvez supprimer ça. Voilà, vu que vous avez toujours celui-là. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu et aidé surtout. Donc, bien sûr, là, comme je vous ai dit, en fait, pour la souris, c'est pareil. Donc, par exemple, là, je fais clic droit, voilà, ça va me faire ça. Sauf que par exemple j'appuie sur Z, donc ma touche pour avancer sur Fortnite, ça me met en fait le W. En gros, le Z c'est la touche du W pour les claviers anglais. Donc du coup voilà. Après vous avez tout, hein, tout bien, toc. Donc voilà, vous avez tout. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura beaucoup aidé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et bien sûr à liker. Donc comme je vous ai dit, je crois pas, 10 likes pour cette vidéo. C'était Mravax, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.